Monsieur Cormier, bonjour, vous allez bien? Oui, ça va. Bon, Fonderie Cormier, on fait quoi ici? Bien, nous sommes une entreprise manufacturière de pièces coulées. Nous fabriquons, nous coulons des castings. Des castings? En français, des castings, oui. En anglais? En anglais, des pièces coulées. Bon, ici, c'est un laboratoire où on prend des tests de sable. Le sable, comme vous dites, est très important parce que c'est notre outil de travail. Beach day every day. J'en ai des balles là-dedans, ça n'a pas de bon sens. Donc lui, il se trouve à faire quoi au juste là? Lui est en train de faire un moule. Donc ça, c'est qu'est-ce qu'on appelle du moulage au plancher. Ça doit être raquant, ça, la première journée de travail? Ça, ce sont des moules qui vont être coulés. Donc, un beau petit poêle à bois? Oui. Le nom du four, dans le milieu, on appelle ça un cubilot. Nous, évidemment, si vous remarquez, on n'a pas mis de peinture dessus, là, parce que nous allons implanter un nouveau système de fusion d'ici 2 ans. On va écouter le son, on va. Alors ici, vous avez derrière moi le poste de contrôle. Alors présentement, elle est en train de faire des analyses de sable. Alors c'est des recettes, un peu comme faire des gâteaux, oui, si vous voulez. Ça, on n'est vraiment pas loin de Ricardo. Donc là, on s'en va, département de finition. On appelle ça une grenailleuse en français. C'est des billes d'acier qui sont projetées à très haute vitesse. Et lorsque l'impact se fait sur la pièce, ben le sable décolle. On peut même enlever les motifs. Ah, wow! Fait que vous pouvez enlever des tatous aussi. On a un exemple de pièce qu'on fait ici. C'est la grille de rue. Et c'est assez important qu'on ait cette pièce-là, parce qu'autrement, il risque d'avoir un vide. On vous invite à encourager, là. La Fonderie Cormier, et à passer sur les bouches d'égout. Oui, oui, tout à fait. C'est beau, c'est intéressant, on dirait un trophée. Hein? Tu sais que tu pourrais remettre ça à la Chambre de commerce de l'année. Monsieur Cormier, très intéressant de faire le tour. On va vous souhaiter longue vie.